Chers amis, bonjour, et comme le dirait ce cher ami Alain Pascal, chers amis croisés, bonjour. La conférence de l'abbé Ricossa, dont de l'Institut Mater Boni Concili, que nous avons le bon plaisir de lire pour notre Seigneur aujourd'hui, sera coupée en trois parties. La première est consacrée aux origines de la fondation de la secte de la franc-maçonnerie. La deuxième partie sera consacrée à l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII. Et enfin la troisième partie aux francs-maçons, aux modernistes et aux traditionalistes. Nous verrons que la conférence fait référence à un symbole plutôt curieux, un symbole phallique. Et j'aimerais à ce sujet donner un éclairage complémentaire le concernant. Mes sources proviennent de Don Luigi Villa, missionné par le Padre Pio comme enquêteur de l'infiltration maçonnique dans les couloirs du Vatican. Rappelons juste que Don Luigi Villa, né en 1918, fut condamné à mort par le ministre de la justice de la République de Salo à l'époque, Roberto Farinacci. Le père Ceccarini, d'ailleurs, eut juste le temps de prévenir l'abbé Villa, qui s'enfuit alors par la fenêtre de la maison où arrivait à ce moment-là la jeep avec 6 soldats pour l'exécuter sur place. Il est à noter d'ailleurs que cette situation de menace permanente dura jusqu'à la fin de la guerre. C'est à la fin des années 50 que l'abbé Villa, reconnu d'ailleurs pour ses conférences de grande qualité, oui, c'est à cette époque qu'il rencontra le Padre Pio, qui lui posa 12 questions et lui donna une tâche à accomplir, dédier toute sa vie à défendre l'Église du Christ contre l'œuvre de la franc-maçonnerie, surtout ecclésiastique. Cette mission fut approuvée plus tard par Pie XII en personne, l'abbé Villa étant sous la direction du cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office à l'époque. Devenu licencié en théologie, il rencontra à nouveau, pour une deuxième fois, le Padre Pio, qui lui confia ceci. Courage, 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 parce que l'Église est déjà envahie par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est déjà arrivée aux pantoufles du pape. Parlant ici de Montini, dit Paul VI. Maintes fois par la suite, Don Luigi Villa échappa à la mort par le biais de circonstances incroyables, rocambolesques même, qui ne sont pas aujourd'hui l'objet du jour. Revenons donc au journal Chiesa Viva que Don Luigi Villa créa et qui ne fut d'ailleurs jamais attaqué par la justice d'aucun gouvernement jusqu'à ce jour. Revenons donc à ce symbole phallique, assez étonnant, somme toute, pour les non-initiés, entre guillemets, dont parle l'abbé Ricossa dans sa conférence. Parlons en cette introduction des 33 degrés du rite écossais antique et accepté. Dans un document franc-maçon d'ailleurs, il est dit ceci. La vraie division des 33 degrés en 3 séries de 11 ne se trouve pas dans les instructions les plus secrètes hors des 33 degrés. Et dans les symboles sous lesquels les vrais secrets maçonniques sont impénétrablement cachés. Et d'ailleurs, un de ces documents est l'instruction secrète donnée au général Giuseppe Garibaldi à l'occasion de sa promotion comme chef de la franc-maçonnerie. Ce document, une des plus belles lumières jamais sorties des ténèbres de la franc-maçonnerie, avec toute l'autorité des chefs inconnus de la maçonnerie, expose de manière claire et sans équivoque la vraie signification de la subdivision
des 33 degrés du rite écossais antique et accepté, dans les trois séries de 11. Et voici ici un extrait du document. Dans notre ordre, aucun degré ne révèle complètement la vérité. Il rend seulement moins dense le voile qui le cache au regard curieux. Pour nous, investis du pouvoir suprême, pour nous seuls, il le dépouille entièrement et, inondant notre intelligence, notre esprit, notre cœur, il nous fait connaître, voir et sentir que l'homme est tout à la fois Dieu, pontife et roi de l'humanité. Quant à nous, les grands chefs, nous formons le sacré bataillon du sublime patriarche qui est à son tour Dieu, pontife et roi de la franc-maçonnerie. Voilà, frère, le troisième triangle, la troisième triple vérité qui donnera à ton intelligence, à ton esprit et à ton cœur l'ineffable félicité de la possession absolue de la vérité sans voile. Tout l'ensemble de l'organisation, du fonctionnement et de l'enseignement de l'ordre apparaît maintenant à tes yeux, frère rayonnant de clarté, et tu vois, tu comprends que tout notre enseignement se résume en ceci. Ramener le triomphe de notre vertu, de notre moralité, de notre autorité dans tout le genre humain. C'est pourquoi nos degrés ont une triple signification et une triple classification, selon qu'ils sont appelés à combattre ce que nos implacables adversaires, nos mortels ennemis, nos infâmes persécuteurs, les cléricaux, osent appeler leur vertu, leur morale et leur autorité. Pour combattre leur abjecte vertu, nous avons les degrés. Premier, apprenti. Deuxième, compagnon. Troisième, maître. Quatrième, maître secret. Cinquième, maître parfait. Sixième, secrétaire intime. Septième, prévôt et juge. Huitième, intendant des fabriques. Neuvième, élu des neuf. Dixième, élu des quinze. Onzième, chevalier élu. Ce qui nous permet d'amener un profane de l'inconscience de l'apprenti à la mission de chevalier élu pour la défense de la vertu maçonnique, pour la croisade de l'homme, Dieu de lui-même. Pour combattre leur immonde morale, nous avons les degrés 12e grand maître architecte, 13e arc royal, 14e préfet maçon, 15e chevalier d'Orient, 16e prince de Jérusalem, 17e chevalier d'Orient et d'Occident, 18e chevalier Rose-Croix, 19e grand pontife, 20e vénérable grand maître, 21e grand patriarche Noachite, 22e chevalier de la hache royale. Pour combattre leur coupable autorité, nous avons les degrés 23e chef du tabernacle, 24e prince du tabernacle, 25e chevalier du serpent, 26e trinitaire, 27e prince adepte, 29e chevalier écossais, 30e chevalier kadosh, 31e grand inquisiteur, 32e prince du royal secret, 33e grand inspecteur général. Les cléricaux, infâmes, assassins de l'humanité, opposent, tu le vois, frère, à notre vertu, à notre morale, à notre autorité, leur propriété, leur religion et leur loi. Et ce sont les trois ennemis mortels de la franc-maçonnerie que tu auras à combattre dorénavant comme chef d'armée. Ni la loi, ni la propriété, ni la religion ne peuvent donc s'imposer à l'homme. Et vu qu'elles l'anéantissent, le privant de ses droits les plus précieux, ce sont des assassins dont nous avons juré de tirer terrible vengeance. Ce sont des ennemis auxquels nous avons juré une guerre à outrance et sans trêve, une guerre à mort. De ces trois ennemis infâmes, c'est la religion qui doit être la pensée constante de tes assauts. Parce qu'un peuple n'a jamais survécu à sa religion et parce que, en tuant la religion, nous aurons entre nos mains et la loi et la propriété. Parce que, en établissant sur les cadavres de ces assassins
la religion maçonnique, la loi maçonnique, la propriété maçonnique. Nous aurons régénéré la société. Comme notre Dieu n'est ni substance, ni corps, ni âme, ni créateur, ni père, ni verbe, ni amour, ni paraclète, ni rédempteur, ni rien du tout. Nous avons soumis l'Église à la puissance laïque et renversé le pouvoir temporel du pape en attendant le bouleversement de son pouvoir spirituel. Vu que nous sommes les constructeurs du nouveau temple de la félicité du genre humain, et étant donné que pour le construire, il faut commencer par démolir, par détruire l'état social actuel, nous avons supprimé l'enseignement religieux, nous avons supprimé le droit des peuples. Après avoir renversé le pouvoir temporel du pape, de notre ennemi infâme et mortel, notre chef suprême règnera seul sur le monde et assise sur les marches de son trône, la franc-maçonnerie partagera avec lui la toute-puissance. Grand et éblouissant est ce but suprême que nous t'avons fait voir, mais grands et patients sont les travaux et les efforts nécessaires pour l'obtenir. En ces jours où tu es assis parmi les maîtres en chef, tes travaux doivent augmenter d'intensité, et pour bien te préciser leur tendance, assurant en même temps leur succès et leur triomphe, nous te résumerons nettement la grande lumière de l'initiation suprême. Tu es à toi-même Dieu, pontife et roi. Ta raison est la seule règle du vrai, la seule clé de la science et de la politique. Tes appétits et tes instincts sont l'unique règle du bien, l'unique clé du progrès et de la félicité. Tu dois comprendre et interpréter comme suit notre sainte entreprise, liberté, égalité, fraternité. Liberté, l'arme toute puissante avec laquelle nous avons bouleversé le monde. Ce qui veut dire, premièrement, indépendance sans limite et sans restriction, soustraite à toute espèce d'autorité. Deuxièmement, indépendance de l'esprit, qui ne pourrait être engendrée par aucune révélation ni limitée par aucun dogme. Troisièmement, indépendance de la volonté, qui ne se soumet à aucune puissance, qui ne reconnaît ni roi, ni pape, ni Dieu. Quatrièmement, indépendance de la personnalité qui a brisé toutes les chaînes et qui la retenait en esclave. Chaînes physiques et chaînes morales, chaînes de la terre et chaînes du ciel, pour effectuer l'indépendance de l'humanité pour son émancipation absolue et complète. C'est avec la liberté comme levier et les passions humaines comme point d'appui que nous abattrons pour toujours les rois et les prêtres, ces ennemis implacables du genre humain, plus funestes pour l'humanité que les tigres pour les animaux. Égalité, le niveau tout-puissant avec lequel nous avons transformé le monde, ce qui veut dire, premièrement, égalité des propriétés, parce que les droits de l'homme sur la terre commune, comme citoyen d'un seul et même monde, comme fils d'une même mère, sont plus antiques et plus sacrés que tous les contrats et toutes les coutumes, et que par conséquent ces droits, il faut les briser. Ces coutumes, il faut les abroger. Égalité des fortunes, avec l'équilibre proportionné des salaires, avec l'abolition complète et radicale du droit d'hérédité, avec l'expropriation de toutes les compagnies financières et l'appropriation à la solidarité nationale de chaque peuple des banques, des canaux, des transports, des assurances et des mines. Enfin, troisièmement, égalité des individus, avec la solidarité, avec la jouissance égale pour chacun à la propre production solidaire.
C'est avec l'égalité comme levier et les appétits humains comme point d'appui que nous ferons disparaître pour toujours l'aristocratie de l'argent, bourreau implacable du genre humain. Fraternité, la promesse toute puissante avec laquelle nous avons établi notre pouvoir, c'est-à-dire, premièrement, fraternité dans la franc-maçonnerie pour construire un État dans l'État, avec des moyens et un fonctionnement indépendant de l'État, inconnus à l'État. Deuxièmement, fraternité dans la franc-maçonnerie pour constituer un État supérieur à l'État, avec une unité, un cosmopolitisme, une universalité qui la rendent supérieure, dirigeante de l'État. Troisièmement, fraternité dans la franc-maçonnerie pour constituer un État contre l'État. C'est grâce à la fraternité comme levier et aux haines humaines comme point d'appui que nous ferons disparaître pour toujours le parasitisme et la répression armée, ces fléaux non encore assoupis, ces épouvantails féroces du genre humain. Frères, voici la fin de ton instruction comme chef de la franc-maçonnerie, et à présent, prête avec nous le serment suprême. Je jure de n'avoir d'autre patrie que la patrie universelle. Je jure de combattre à outrance, toujours et partout, les frontières des nations, des limites des champs, des maisons et des ateliers, les limites de la famille. Je jure d'abattre, en sacrifiant ma vie, les frontières où les humanicides ont tracé avec le sang et la boue le nom de Dieu. Je jure de sacrifier mon existence au triomphe indéfini du progrès et de l'unité universelle, et je déclare professer la négation de Dieu et de l'âme. Et maintenant, frères, que la nation, la religion et la famille ont disparu pour toujours, pour toi, dans l'immensité de l'œuvre de la franc-maçonnerie, viens dans mes bras, très puissant, très illustre et très cher frère, partager avec nous l'autorité sans limite et la jouissance sans frontières que nous exerçons sur l'humanité. Viens, Giuseppe Garibaldi, viens dans mes bras. Après ces étonnantes allocutions, j'aimerais rajouter ceci. Le patriarche de la maçonnerie universelle, entre guillemets, Albert Pike, dit en parlant des secrets des symboles de la franc-maçonnerie, citation, « Toutes les vraies religions dogmatiques sont sorties de la cabale et y retournent. Tout ce qu'il y a de grand, de scientifique, dans les idéaux religieux, vient de la cabale. Toutes les associations maçonniques doivent leurs propres secrets et leurs propres symboles à la cabale. » Fin de citation. En effet, comme nous l'avons vu, les 33 degrés de la franc-maçonnerie du rite écossais antique et accepté sont subdivisés en trois séries de 11 degrés, où le nombre 11 est le nombre mystique de la cabale, qui représente la déification de l'homme, avec ses 10 attributs divins, émané de l'Anzof, règne, fondement, gloire, triomphe, beauté, justice, miséricorde, intelligence, sagesse, couronne. Anzof, d'ailleurs, dont parle l'abbé Ricossa. C'est le mensonge panthéiste, qui n'est autre que, premièrement, la négation de l'éternité de la très sainte Trinité. Deuxièmement, la négation de la création à partir du néant. Troisièmement, la négation de la différence entre Dieu et l'univers. Quatrièmement, l'abaissement de Dieu au niveau de ses créatures. Cinquièmement, l'élévation de l'homme au niveau de Dieu. Sixièmement, enfin,
la séparation entre l'homme et Dieu pour la perte de son âme. En un mot, une cabale satanique. Dans les trois séries de 11 degrés, la maçonnerie de rite écossais antique et accepté perfectionne ces 10 attributs divins, entre guillemets, de chaque franc-maçon en promouvant respectivement, premièrement, la corruption du corps par le culte du phallus, deuxièmement, la corruption de l'âme par le culte de l'homme, troisièmement, la corruption de l'esprit par le culte de Lucifer. Le profane, animé donc par le feu, entre guillemets, de la rébellion contre Dieu, avec ses attributs divins, là aussi, entre guillemets, c'est-à-dire ces trois colonnes brutes, terre, eau, feu, entre le temple de la maçonnerie comme blasphématoire, première qui est la Sainte Trinité. Ensuite, on le polit en pierre cubique, c'est le 11e degré, et puis en pierre cubique à pointe, ou maître, c'est le 15e degré, appelé aussi d'ailleurs deuxième Sainte Trinité, entre guillemets. Ensuite, seul celui qui, parmi les sommets de la franc-maçonnerie, arrive à devenir patriarche du monde ou empereur du monde, formera avec Lucifer en personne la blasphématoire satanique et maçonnique, troisième, très sainte et invisible Trinité, entre guillemets. Enfin, je décrirai les trois séries et les buts de chacune d'entre elles avec quelques exemples pour finir cette introduction. La première série de 11 degrés, qui est la corruption du corps par le culte du phallus, sert à combattre l'abjecte vertu catholique avec l'homme Dieu. La deuxième série, du 12e au 22e degré, qui est la corruption de l'âme par le culte de l'homme, sert à combattre l'immonde morale catholique avec l'homme pontife. Enfin, la troisième série, du 23e au 33e degré, qui est la corruption de l'esprit par le culte de Lucifer, sert à combattre la coupable autorité catholique avec l'homme roi. Et puis voici quelques exemples de certains degrés. On a au 5e degré le maître parfait, culte de la déification de l'âme humaine, l'étincelle divine de la cause première. La matière est éternelle. Il existe un Dieu mauvais, celui des chrétiens. Voilà qui me semble assez clair. Enfin, on pourrait trouver aussi dans les 11 premiers degrés, le 7e degré qui est le niveau de miséricorde, le préposé et juge, qui est le signe de l'achèvement. L'art royal est le gouvernement des âmes, clé mystérieuse pour faire la guerre à la foi et à la religion et pour vaincre les ennemis. Passons au 11e degré, qui est le niveau Anzof, décrit par l'abbé Ricossa, qui est le chevalier élu, l'homme sans Dieu, apogée du peuple parfait maçonnique. Le franc-maçon devient juif adoptif. La raison humaine est elle-même divine, donc indépendante de toute autorité. Elle est souveraine. La pierre brute est devenue la pierre cubique, c'est-à-dire franc-maçon parfait. L'homme est à lui-même Dieu. Ainsi accomplit-il ses devoirs envers lui-même. Mais passons au 18e degré, par exemple, toujours le degré de miséricorde, le chevalier rose-croix, complètement de l'anti-christianisme maçonnique. Le chevalier rose-croix doit éliminer le sacrifice du Christ sur la croix dans la sainte messe. Voilà sa mission. Encore une fois, comprenez que le 20e degré, par exemple, qui est le degré soi-disant de sagesse, vénérable grand maître, voilà son titre, est la conquête
et sa mission est l'élimination de toute forme d'obscurantisme chrétien comme préliminaire à la domination césaro-papiste du grade successif. Enfin, quelques exemples de la troisième série du 23e au 33e degré. Le 26e est par exemple, qui est le niveau de triomphe, est le trinitaire, naissance d'un nouveau Lucifer qui entre dans tous les trois régions de l'intelligence, conscience et raison, qui correspondent aux besoins politiques, sociaux et matériels de l'humanité. Mais qu'en est-il du 27e degré, qui est le niveau de la beauté? Voilà son titre, prince adepte, sa mission expansion de l'armée de Lucifer, le grand secret, la nature et son intelligence comme unique règle de la foi, suivent le libertinage et la magie noire. Voilà où nous en sommes. Mais qu'en est-il du 29e? Ce fameux niveau de miséricorde. Son titre, chevalier écossais. Sa mission, achèvement de la sanctification du franc-maçon. Acte d'obéissance au maître suprême, le dieu Baphomet, et incorporation au règne de Satan. Quant au 33e, et je finirai ici, le niveau en Zoph, son titre « Grand inspecteur général, homme-roi, l'homme contre Dieu, l'apogée du peuple roi ». Voilà sa mission. Ce degré est celui de l'empereur-pape du césaropapisme maçonnique. La double devise de ce grade est « Ordo ab Chao » et « Deus mumqueius ». L'homme est à lui-même roi. Ainsi accomplit-il ses devoirs envers Dieu. Mais quel Dieu ? Alors bien sûr, il faut connaître ces choses-là, mais ne pas s'y perdre. Padre Pio disait le 7 avril 1913 « Jésus a malheureusement raison de se plaindre de l'ingratitude de ses ministres. Combien de nos malheureux frères correspondent à l'amour de Jésus en se jetant à bras ouverts dans la secte infâme de la franc-maçonnerie. » Et Léon XIII disait, en parlant de la franc-maçonnerie, « Voilà l'ennemi. » Alors le plus important pour nous est de garder une dévotion entière et immuable à Dieu. Une dévotion pour le Sacré-Cœur de son Fils, une dévotion pour la Sainte Trinité et la demande quotidienne de garder ou d'augmenter ces 7 dons. Et enfin, de prier à garder la foi pour une dévotion quotidienne au cœur immaculé de la Sainte Vierge. Seul et unique remède à nos maux. Nous publions ici le texte de la conférence tenue à Paris le 26 novembre 2017 par l'abbé Francesco Ricossa sur la franc-maçonnerie. Cette conférence s'est déroulée dans le cadre des rencontres organisées chaque année par l'Institut Mater Boni Concili dans la capitale française. Elle se divise en 3 parties, les origines de la secte, la réponse de l'Église et les ramifications entre la maçonnerie, le modernisme et certaines franges du traditionalisme. Le style parlé a été conservé. Quelques mots d'introduction. Je suis convaincu qu'un bon prêtre doit connaître et bien connaître les ennemis du christianisme et du catholicisme, afin de pouvoir les combattre et ne pas se faire duper par eux. Donc, dans notre action sacerdotale, ou pour vous, en tant que fidèles et militants du Christ roi, il est nécessaire de pratiquer ce que l'on appelle l'antimaçonnisme, donc
de s'opposer à la franc-maçonnerie. La secte maçonnique 1717-2017, 300 ans de maçonnerie moderne. Première partie, les origines et la fondation de la secte. Avant de commencer, je précise que j'ai l'intention de mettre ces conférences et cette journée en général sous le patronage d'un bienheureux, béatifié en 1926 par le pape Pie XI, avec 190 autres martyrs. Ce sont les martyrs des Carmes, ici, à Paris. De ces 191 martyrs, j'en choisis un. Il s'agit du bienheureux Jacques-François Lefranc, martyrisé le 2 septembre 1792. J'ignore si beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, certains sans doute. Nous sommes généralement plus familiers avec le père Baruel, qui a écrit à la même époque son livre sur le jacobinisme, et dans lequel il a dénoncé le complot maçonnique à l'origine de la Révolution française. Mais il ne faut pas oublier le père Lefranc, contemporain du père Baruel. Eudiste, il avait écrit et publié certains ouvrages au sujet de la franc-maçonnerie, dont l'origine est la déclaration mystérieuse des francs-maçons en 1743 et le voile levé pour les curieux ou le secret de la Révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie en 1792. C'est-à-dire l'année de son martyre. Nous pouvons voir que non seulement il a dénoncé le danger que représentait la franc-maçonnerie, mais qu'en plus il mourut victime de ses actions, car il fut massacré par les francs-maçons révolutionnaires. Donc, puisque nous avons un bienheureux martyr parmi ceux qui ont étudié et combattu la franc-maçonnerie, plaçons-nous sous son patronage. J'ajoute certaines choses avant d'entrer dans le vif du sujet. S'il est vrai que j'ai lu un certain nombre d'ouvrages sur la franc-maçonnerie et que je l'étudie depuis un certain temps, il ne faut pas pour autant me considérer comme un expert du sujet. Bien sûr, de leur point de vue, je ne suis qu'un profane, n'étant évidemment pas initié à la maçonnerie. Bien que quelqu'un ait prétendu le contraire. Donc je ne la connais pas de l'intérieur. Le moindre franc-maçon la connaît peut-être mieux que moi. En tant que prêtre, je suis tenu de connaître la théologie plutôt que les sectes ennemies. Toutefois, je suis convaincu qu'un bon prêtre doit connaître et bien connaître les ennemis du christianisme et du catholicisme afin de pouvoir les combattre et ne pas se faire duper par eux. Donc, dans notre action sacerdotale, ou pour vous, en tant que fidèles et militants du Christ roi, il est nécessaire de pratiquer ce qu'on appelle l'anti-maçonnisme, donc de s'opposer à la franc-maçonnerie. En étudiant la franc-maçonnerie, je me suis aligné sur une école de pensée particulière. Tout d'abord, tous les catholiques sont à l'école de l'Église, à l'école de son magistère, et c'est pourquoi nous allons commenter l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII sur la franc-maçonnerie. Mais il y a également cette école catholique de pensée, dont les membres sont appelés catholiques intégraux, c'est-à-dire ceux qui ont suivi le magistère et l'action du grand pape Saint Pie X. Je parle tout d'abord de Mgr Umberto Benigni, le fondateur du Sodalicium Pianum, c'est-à-dire l'association Saint Pie V, qui soutint l'action de Saint Pie X contre le modernisme, et qui fut aussi un éminent étudiant de la franc-maçonnerie. À cette école des catholiques intégraux, on peut associer aussi plusieurs prêtres français. Je cite parmi eux, du temps de Saint Pie X, Mgr de Lassus, l'abbé Barbier, l'abbé Boulin, qui a été un collaborateur de la bien connue Revue internationale des sociétés secrètes, dirigée par Mgr Join.
Bien que Mgr Join ne puisse pas être placé dans l'école de pensée des catholiques intégraux, on ne peut pas minimiser l'importance de son travail à travers la Revue internationale des sociétés secrètes, qui a d'ailleurs été rééditée récemment pour ceux qui désirent acquérir la collection complète. L'abbé Boulin, sous le pseudonyme de Colmet, collabora et apporta la contribution de l'école catholique intégrale aux études anti-maçonniques de Mgr Join. La franc-maçonnerie est une secte, mais il faut comprendre qu'elle est une secte dans une plus grande secte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la seule secte qui existe. Il faut distinguer la secte, pour ainsi dire, qu'on peut appeler avec saint Jean la synagogue de Satan. Et la maçonnerie qui se distingue comme le tout et la partie. La franc-maçonnerie est une partie de cette synagogue de Satan, alors que celle-ci est, pour ainsi dire, plus vaste que la franc-maçonnerie. Cette synagogue de Satan, qui s'oppose à l'Église, existe depuis toujours, depuis qu'existe l'Église, et même depuis la première révolte de Lucifer. Alors que la franc-maçonnerie a une origine historique précise et a été fondée à un certain moment de l'histoire humaine. Et de même qu'il y a des sectes, des sectaires et des initiés qui ne font pas partie de la franc-maçonnerie, mais qui sont tout aussi dangereux, de même qu'il y a ceux qui s'opposent à la maçonnerie, mais qui ne s'y opposent pas pour les mêmes raisons que nous, que cette différence de motif soit partielle ou totale. Il y a des opposants à la maçonnerie parmi les traditionalistes qui voient justement que l'œuvre de la franc-maçonnerie est néfaste pour la nation. Il y a des anti-maçons, même parmi des gens qui font partie de cette plus grande secte. Et il y a même des anti-maçons qui sont francs-maçons, c'est le comble. Mais il y en a. Il faut donc prendre en compte tous ces détails que nous étudierons peut-être dans la troisième instruction. Étant donné que la franc-maçonnerie est une secte dans la secte, il faut déjà comprendre que la franc-maçonnerie fait partie d'un courant plus vaste, qu'on peut appeler par plusieurs noms. Je vous en propose deux. Ésotérisme, d'une part, et gnosticisme, d'autre part. Ce n'est pas moi qui l'invente. Par exemple, un initié de renom, franc-maçon bien connu, René Guénon, dans un article sur la franc-maçonnerie qui date de 1910, commence par ces paroles. Citation. La gnose, selon le très célèbre illustre frère Albert Pike, est l'essence et la moelle de la franc-maçonnerie. Fin de citation. Donc il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui précède et qui est plus vaste que la franc-maçonnerie. Il faut noter que si tous les francs-maçons sont à des degrés divers, des ésotéristes, tous les ésotéristes ne sont pas pour autant des francs-maçons. Alors si quelqu'un objecte que telle personne n'appartient pas à la franc-maçonnerie, c'est peut-être vrai. Mais si cette personne est ésotériste, gnostique, ou si elle tient les mêmes propos que les francs-maçons, il faut l'intégrer dans le même groupe. Voilà en ce qui concerne l'essence de la franc-maçonnerie. Mais pour que notre opposition à la franc-maçonnerie soit crédible, il faut, à mon avis, que notre critique soit fondée et documentée. Car nous ne devons pas oublier qu'il existe une mythologie maçonnique. Par exemple, les francs-maçons prétendent que le premier maçon était Adam. C'est un peu trop vieux pour être crédible, n'est-ce pas? Il existe également les mythes véhiculés par la franc-maçonnerie contre l'Église, toutes sortes d'histoires et de balivernes dirigées contre elle pour la discréditer. Mais il existe également une sorte de mythologie antimaçonnique, c'est-à-dire
un anti-maçonnisme qui, hélas, n'est pas toujours bien sérieux, qui n'est pas fiable. Cette mythologie dessert bien plus notre cause qu'autre chose, et il faut, à mon avis, l'éviter. La critique de la franc-maçonnerie, chose qui doit évidemment être faite, peut être faite selon plusieurs perspectives. On peut par exemple s'intéresser aux faits contingents, qu'ils soient passés ou présents. Ainsi, il y a de très bons auteurs antimaçonniques qui ont étudié, par exemple, le rôle de la franc-maçonnerie dans tel ou tel événement historique, ou bien qui ont essayé de comprendre qui est ce franc-maçon, quand a-t-il été initié, ou bien quel a été le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution américaine, dans la Révolution française, dans la Révolution russe, dans la Révolution italienne, etc. Ou encore, quel est aujourd'hui le rôle de la franc-maçonnerie? Le président de la République est-il franc-maçon, par exemple? Cette perspective d'étude n'est pas inutile et est même, au contraire, d'une grande utilité, mais il en existe bien d'autres. Une autre perspective utile, et c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui, non pas parce que je méprise les autres, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire, va nous faire étudier la franc-maçonnerie dans son essence, et non pas selon les faits contingents, ce qui est généralement ce qui intéresse le plus les gens. Je me souviens qu'après la conférence que j'avais donnée en Italie, quelqu'un m'avait dit, citation, « Ah, mais vous n'avez pas parlé de la loge P2, de M. Gelli. » Fin de citation. Bien sûr que nous pouvons en parler, et même longuement, mais je dirais que cela signifie se perdre un petit peu dans les détails, qui sont certes importants. En revanche, peu de monde s'intéresse, étudie, connaît ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie et quelle est sa doctrine, alors qu'il me semble que cela est tout autant utile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'opposent parfois même sincèrement à tel ou tel agissement de la maçonnerie, mais ne se rendent pas compte qu'elles partagent les mêmes idées que la franc-maçonnerie. Elles sont contre l'action de tel franc-maçon ou de la franc-maçonnerie, et elles ne comprennent pas que peut-être sans le vouloir, pour certaines, elles partagent les idées et plusieurs concepts fondamentaux propres à la franc-maçonnerie. Une façon de bien comprendre ce qu'est la maçonnerie est d'étudier son origine, car étudier l'origine d'un mouvement permet toujours de mieux le connaître. D'ailleurs, si nous avons choisi cette année de traiter du thème de la franc-maçonnerie, c'est parce qu'il y a eu récemment un anniversaire que nous n'avons évidemment pas célébré, et qui est tombé le 24 juin de cette année. À Londres, il y a eu une très grande manifestation pour fêter cela, dirigée par le duc de Kent, qui est le grand maître de la maçonnerie. Car c'est en effet il y a 300 ans, à Londres, justement, le 24 juin 1717, que fut fondée la franc-maçonnerie dite moderne, celle que nous connaissons aujourd'hui. Parmi toutes les dates qu'on rattache à la franc-maçonnerie, il y en a au moins une qui est certaine et qui nous permet d'établir un point de départ, et c'est celle-ci. Vous pouvez, par l'imagination, vous projeter dans la capitale anglaise et jeter votre regard sur la cathédrale anglicane Saint-Paul, qui a remplacé, après l'incendie de Londres, l'ancienne cathédrale, vieille de plusieurs siècles. L'architecte de cette cathédrale fut Christopher Wren, qui travailla sur ce projet entre 1675 et 1697. Ce Christopher Wren fut grand maître de la maçonnerie avant que la maçonnerie existe. Vous allez me demander
Comment pouvait-il être grand maître de la franc-maçonnerie avant que la franc-maçonnerie ne soit fondée? Évidemment, il faut voir ce qu'on entend par franc-maçonnerie et de quoi on parle. En ce temps-là, près de la cathédrale Saint-Paul se trouvait une taverne, une auberge, qui s'appelle Goose, un Griderion, en français à l'oie et au grill. Ce jour-là, en 1717, se réunirent dans cette auberge des francs-maçons de 4 loges de Londres, en suivant un accord qu'ils avaient pris déjà l'année précédente dans l'auberge du Pommier à Covent Garden. À cette occasion-là, le 24 juin, donc la fête de Jean-Baptiste, choisie parce qu'elle tombe près du solstice d'été, on décida d'élire le premier grand maître de cette loge nationale, le capitaine Anthony Sayer, dont on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il n'a pas eu un grand rôle. C'est ce jour-là que fut fondée ce que l'on appelle la franc-maçonnerie moderne, celle que nous connaissons si bien. Mais déjà, nous comprenons par le fait que 4 loges se soient réunies ce jour-là, qu'elles existaient déjà auparavant. Alors, il y avait cette loge à l'oie et au grill qui se réunissait près de la cathédrale Saint-Paul, la loge The Crown, qui se trouvait à Park Lane, The Apple Tree, donc le pommier, à Covent Garden, et puis le Rummer and Grapes à Westminster. Le récit de cette première réunion nous est donné par le pasteur protestant James Anderson, qui en était d'ailleurs absent. Ce fut lui qui rédigea les premières constitutions maçonniques de 1723. À partir de cet événement, on peut se poser certaines questions sur les origines de la franc-maçonnerie. Tout d'abord, des questions d'origine de la doctrine. Quelles sont les origines doctrinales de la franc-maçonnerie? Quelles étaient les idées qui animaient ces hommes qui se sont réunis ce jour-là et qui nous causent tant de problèmes aujourd'hui? Et puis, quelles sont les origines d'un point de vue historique? C'est justement ce dont nous allons parler. Qui étaient donc ces maçons qui fréquentaient ces auberges et qui ont fondé la Grande Loge d'Angleterre? Et aussi une autre question, comment de ces quelques auberges et tavernes de Londres ont-ils pu en quelques années initier les plus grands monarques d'Europe à leur association et fonder les loges partout? Car l'essor de la franc-maçonnerie en quelques années est absolument étonnant. En 1726, déjà, la franc-maçonnerie est fondée dans le Saint-Empire à Prague, ville qui ne fut pas choisie au hasard au regard de la longue tradition qui existait déjà dans cette ville. En Allemagne, en 1737, à Hambourg. En Autriche, seulement en 1742. Mais au Portugal, en 1727. En Espagne, en 1728. Vers 1730, en Italie. Mais l'Italie étant divisée à l'époque, il faut voir la date d'implantation dans chaque État en particulier. Par exemple, à Naples, ils y étaient déjà en 1730. Et il faut savoir qu'en 1731, le pasteur des Aguliers, que nous allons découvrir sous peu, initia personnellement en Hollande François Ier, duc de Lorraine, futur époux de l'impératrice du Saint-Empire, Marie-Thérèse. Ce sont les parents de la reine Marie-Antoinette de France. Des Aguliers est également celui qui initia le prince de Galles, donc l'héritier du roi d'Angleterre. Frédéric II, roi de Prusse, a été initié à la maçonnerie en 1738. Le cas de Louis XV est moins certain. Certains affirment qu'il fut initié en 1739, mais d'autres le mettent en doute. Mais il y avait certainement une loge à Versailles. La franc-maçonnerie connaît un rapide succès en France, si bien qu'on connaît le nom de plusieurs princes de sang qui furent initiés.
Par exemple, lorsque Philippe de Bourbon, duc d'Orléans, initié à la maçonnerie en 1773, appelé plus tard Philippe Égalité, le même qui vota l'exécution de Louis XVI, devint le grand maître en France. Il avait déjà été précédé par plusieurs membres de la maison de Bourbon. Le prince de Condé a été initié, ainsi que le prince de Conti et le comte de Clermont, tous des Bourbons. C'est pourquoi le passage en quelques décennies seulement des auberges londoniennes au cours des souverains les plus puissants d'Europe est pour le moins étonnant et soulève plusieurs questions. Qui étaient donc ces francs-maçons de 1717? J'ai choisi d'étudier quatre personnages, car on ne peut pas s'intéresser à tous dans le cadre de cette conférence. Trois d'entre eux étaient déjà présents lors de la réunion de 1717. Un autre arrivera quelques années après, et je pense que les étudier sera intéressant. Après quoi, on sera autorisé à se poser cette question. Est-ce que la franc-maçonnerie existait déjà avant 1717? Le premier personnage qui nous vient à l'esprit n'a en réalité pas d'importance qu'on lui accorde, mais je vous parlerai tout de même de lui. Il s'agit de James Anderson, pasteur protestant écossais de l'église presbytérienne, c'est-à-dire calviniste, né en 1680 et mort en 1739, donc une vingtaine d'années après la fondation de la franc-maçonnerie. Il eut droit à des funérailles maçonniques, qui existaient donc déjà. En 1709, ce pasteur Anderson s'occupait des protestants français émigrés en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes. Et c'est à cette occasion qu'il rencontra le pasteur des Aguliers, qui, lui, était français. En 1721, la grande loge qui vient d'être fondée le charge de rédiger les constitutions de la maçonnerie. Le travail est achevé en 1723 par Anderson. Elles seront plus tard révisées en 1738. C'est à ce moment-là qu'on insère dans les constitutions maçonniques, dites d'Anderson, cette affirmation curieuse, citation. Le franc-maçon est un vrai noachide. Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire? Un vrai noachide? Le noachisme est une doctrine inconnue de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pas un mot dans l'Écriture sainte. Mais pourtant, ce mot se rapporte à Noah, c'est-à-dire Noé. En réalité, cette doctrine se trouve non pas dans les Écritures, mais dans les écrits rabbiniques. La doctrine rabbinique enseigne que les Juifs participeront au royaume messianique en tant que prêtres et rois, tandis que les gentils, c'est-à-dire les non-Juifs, pourront participer à ce royaume messianique, qui est le salut du point de vue des Juifs rabbiniques, non pas en tant que roi, car le roi, c'est le Juif, non pas en tant que prêtre, car le prêtre de l'humanité, c'est le Juif, mais en tant que collaborateur. La loi de Moïse étant réservée aux Juifs, les gentils, pour participer à ce royaume messianique, dans une condition évidemment inférieure, doivent suivre la loi de Noé, c'est-à-dire 7 préceptes. L'un d'entre eux proscrit l'idolâtrie, et c'est pour cette raison que les rabbins considèrent que les chrétiens violent la loi noachide, étant idolâtres, puisqu'ils reconnaissent la divinité de Jésus-Christ. Un célèbre rabbin de Livourne, qui était très proche de la franc-maçonnerie locale, a longuement parlé, bien après la fondation de la maçonnerie, de cette loi noachide, seul salut pour les non-juifs. Il s'agit d'Élie Ben Amozek, et récemment encore, il y a quelques années, nous en avons parlé sur Sodalicium. Le grand rabbin de Rome, Riccardo di Segni, a expliqué aux prélats, pour ainsi dire, de l'Église ses lois noachides en proposant aux chrétiens de devenir des noachides, ce qui inclut
le fait de renoncer à proclamer la divinité de Jésus-Christ, ou du moins de renoncer à affirmer que la loi en la divinité de Jésus-Christ est indispensable pour le salut. Nous comprenons alors déjà mieux ce que signifie que le franc-maçon est un véritable noachide. Dans ces constitutions d'Anderson, on peut également lire dans les deux premiers articles, citation, « En franc-maçonnerie, en loge, dit-on, on ne parle ni de religion ni de politique. » Fin de citation. En réalité, on ne parle que de religion et de politique. Mais le principe est qu'il ne faut parler ni de religion ni de politique. Pourquoi dit-on cela? Qu'est-ce que cela signifie? Les deux premiers articles des constitutions maçonniques d'Anderson concernent le premier, la religion, et le deuxième, la politique. Et il y est dit, citation, « Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale, et s'il comprend bien l'art, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux. Mais quoique, dans les temps anciens, les maçons fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la religion de ce pays ou de cette nation, quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre seulement à cette religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, et qui consiste à être des hommes bons et loyaux, ou hommes d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations ou croyances qui puissent les distinguer. Ainsi, la maçonnerie devient le centre d'union et le moyen de nouer une véritable amitié parmi des personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. » Fin de citation. On y voit, oui, déjà très bien l'esprit de la franc-maçonnerie. Tout d'abord, la franc-maçonnerie est une religion, puisqu'il est dit que le franc-maçon n'est tenu de professer aucune religion, sauf celle que tous les hommes acceptent. Quelle est donc cette religion que tout le monde accepte? C'est la religion de la franc-maçonnerie qui va unir tout le monde, tandis que les autres religions vont diviser. Les religions divisent, la franc-maçonnerie unit. D'autre part, les francs-maçons ne vont pas explicitement contraindre un profane qui veut les rejoindre à abandonner sa confession religieuse, à une condition, d'être disposé à s'unir avec des gens de n'importe quelle religion. Donc, vous pouvez garder votre religion à condition de ne pas considérer qu'elle soit la seule vraie, la seule qui puisse nous permettre de nous unir. Ainsi donc, la franc-maçonnerie va unir des hommes indifféremment de leurs croyances religieuses. Cet esprit qu'aujourd'hui on appellerait œcuménique est donc présent dès les premières années de la franc-maçonnerie, une volonté d'unir les religions et les confessions. Cette idée avait déjà été proposée un siècle auparavant par les Rose-Croix, lesquels voulaient unir toutes les sectes et confessions protestantes dans l'ésotérisme. Justement, Anderson était influencé par Comenius, qui était un personnage du courant rosicrucien, un hussite, un frère bohème. Cela nous renvoie déjà à une origine plus éloignée de la franc-maçonnerie. Un deuxième personnage de ce courant, plus important qu'Anderson, est le pasteur Jean-Théophile des Aguliers. Il est né en France en 1683 d'un pasteur calviniste qui a dû, après la révocation de l'édit de Nantes, quitter la France et se rendre en Angleterre. Il étudia à Oxford et fut ordonné en 1710 prêtre, entre guillemets, anglican, changeant de religion comme si de rien n'était. Il devint en 1714 un membre de la Royal Society, cette Royal Society, c'est-à-dire une société de savants, de scientifiques, fondée par le roi Charles de Stuart, est d'une importance capitale.
en ce qui concerne l'origine de la franc-maçonnerie moderne, étant donné qu'à ce moment-là, la Royal Society était sous l'influence prépondérante d'un personnage bien connu et qui en faisait partie, Newton. Et Desaguliers fait partie de son entourage, un personnage dont il faudra parler pour comprendre la maçonnerie moderne et la maçonnerie ancienne. Desaguliers, 2 ans après la fondation de la maçonnerie dite moderne, va devenir en 1719 le grand maître de la Grande Loge de Londres. Comme je l'ai déjà dit, c'est lui qui initia Frédéric, prince de Galles, et le duc de Lorraine, futur empereur du Saint-Empire, François Ier. Nous pouvons donc déjà dire que la franc-maçonnerie, dès ses débuts, baigne dans une ambiance protestante, illuministe, car avec Newton, nous entrons dans le monde des Lumières, et newtonienne. C'est donc vers la Royal Society qu'il faut chercher. La franc-maçonnerie semble donc avoir une origine anglaise, née au XVIIIe siècle, imbue de rationalisme, mais avec également un attrait vers une tradition occultiste et spiritualiste. Vu que nous avons parlé de Newton, nous pouvons déjà dire quelques mots sur cet étrange personnage. L'économiste anglais John Maynard Keynes a écrit à son sujet en 1942. Citation. Il n'était pas le premier scientifique de l'âge de la raison. Il a été plutôt le dernier des magiciens. Fin de citation. Un homme comme Keynes nous dit que Newton n'est pas le premier des scientifiques modernes, mais plutôt le dernier des magiciens. Le dernier ? Ah, je l'ignore. En s'intéressant de plus près à Newton, on est surpris de découvrir qu'il était passionné d'alchimie, d'astrologie et d'Héros-Croix. Il avait d'ailleurs les ouvrages des principaux écrivains de ce courant, Thomas Vaughan, John Dee, Michael Mayer, Robert Fludd, Paracels, Cornelius Agrippa, et il s'intéressait à la tradition hermétique du trismégiste, plus ancienne que les Rose-Croix, et donc à des auteurs comme Raymond Lull ou Elias Ashmole. Newton était officiellement anglican, comme tout le monde en Angleterre, bien sûr. Mais en réalité, il était unitarien, ou socinien, si vous voulez. Les Sozzini, l'oncle et le neveu, étaient des protestants italiens du XVIe siècle, au temps de Martin Luther, qui ont poussé la rébellion de Luther à ses conclusions logiques. Il est écrit sur le tombeau de Sozzini, si je me rappelle bien, je cite de mémoire, « Luther a détruit les toits, Calvin les murs, et moi, Sozzini, j'ai détruit les fondements de l'Église. » Luther encore vivant, ces protestants-là étaient déjà arrivés à nier la Trinité, la divinité de Jésus-Christ. Ils proposaient un christianisme rationaliste, un christianisme déiste, un christianisme négateur de la Trinité, et pour cette raison, ils se disaient unitariens, parce qu'ils revenaient à un monothéisme juif et antichrétien. Ils étaient donc des Ariens, et Newton, mort en 1727, qui était magicien, tout en étant un scientifique, était donc un adhérent de cette secte, et il était animé par une haine inassouvie envers la grande prostituée, c'est-à-dire l'Église catholique, dont il annonçait la chute par des calculs astrologiques se fondant sur Daniel et l'Apocalypse, un peu à la manière des témoins de Jéhovah. Il est assez difficile de concevoir qu'un scientifique puisse penser et agir à la manière des témoins de Jéhovah, et pourtant, c'était le cas de Newton. Et c'est dans cette ambiance newtonienne que va naître la franc-maçonnerie moderne.
Nous allons voir que le déisme apparent de la franc-maçonnerie est en réalité bien pire que le déisme que nous connaissons. Anderson dit bien qu'un franc-maçon ne peut pas être un athée stupide, mais certains disent qu'on peut très bien en être athée pourvu qu'on ne le soit pas d'une façon stupide. Voyons donc quel est le dieu de la franc-maçonnerie. En réalité, le dieu de la franc-maçonnerie ne correspond même pas au dieu des philosophes. Il est, si on veut, le dieu des magiciens. Et cela est tout à fait différent. Et cela peut même être de l'athéisme. En tout cas, le dieu tel que le présente la franc-maçonnerie pour le moment, c'est ce dieu des déistes socinien. Ce n'est pas un dieu chrétien. Ce n'est pas la divinité de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation. Un autre personnage qui nous intéresse parmi ces premiers francs-maçons, c'est le docteur William Stukeley. Lui aussi membre de la Royal Society, médecin archéologue, scientifique, initié entre 1720 et 1721. Il a été lui aussi ordonné, entre guillemets, prêtre anglican. On peut s'étonner, mais en réalité il ne faut pas s'étonner, qu'un prêtre, entre guillemets, anglican, s'occupe des mystères du druidisme et qu'il s'initie non seulement à la maçonnerie en 1720, mais également en 1717, la même année que la fondation de la franc-maçonnerie, à une autre société secrète. Cette société secrète est l'Ancient Druid Order, fondée par John Toland, un apostat panthéiste, matérialiste et libre penseur, auteur d'un ouvrage dont le titre est explicite, Le christianisme sans mystère, et auteur également du Pantheonziticon, rituel d'une société socratique, traducteur de Giordano Bruno, l'hérétique brûlé en 1600, et vénéré par les francs-maçons comme précurseur, inspirateur du baron d'Holbach, cultiste de la martyre païenne Hypatie, tué soi-disant par les chrétiens, cultiste des républicains anglais de la révolution de Cromwell, et bien d'autres choses. Voilà donc John Toland. Eh bien, ce prêtre anglican, entre guillemets, Stukeley, était aussi druide, et donc un magicien païen. Il était pour la reconnaissance du paganisme, et donc nous voyons que le néopaganisme, qui est très à la mode aujourd'hui, bien qu'on ne puisse pas lui attribuer de date de naissance précise, trouve certainement à cette époque un moment clé de son développement, dans une ambiance similaire à celle de la franc-maçonnerie. Alors ce docteur Stukeley, franc-maçon évidemment, a été le premier biographe enthousiaste de Newton et le successeur de John Toland dans l'ordre druidique. Nous pouvons nous poser quelques questions. Était-il des rationalistes? Certainement. Des illuministes rationalistes, déistes, et pourtant nous le voyons jouer aux druides, à la magie, à l'astrologie et à l'alchimie. Alors était-il des rationalistes, ou bien croyait-il en toutes sortes d'idées farfelues? Les deux. Ce sont les deux faces de la maçonnerie. Il n'y a pas des francs-maçons rationalistes et des francs-maçons magiciens. Tout franc-maçon est les deux choses à la fois. S'il est un véritable franc-maçon qui a compris ce que c'est que la maçonnerie, il est les deux choses à la fois. Ces personnages que nous venons d'étudier nous le font bien comprendre. Un dernier personnage dont je veux vous parler est le chevalier de Ramsay, André Michel de Ramsay, né en 1686, mort en 1743. Il n'était pas là en 1717, mais il mérite vraiment d'être considéré comme l'un des fondateurs de cette maçonnerie moderne. Bernard Faye,
dans son livre sur la franc-maçonnerie, écrit, citation, « Le chevalier Ramsay fut un noble écossais qui n'a jamais vécu en Écosse et qui n'était pas noble. Son titre nobiliaire n'avait de valeur que dans l'industrie. Il fut un jacobite, c'est-à-dire un partisan des rois Stuart qui avait été expulsé d'Angleterre puisqu'ils avaient fini par se convertir au catholicisme. Catholique, mais il fut aussi un jacobite que le roi George II protégea. » Fin de citation. Mais George II était le roi de l'autre dynastie, la dynastie protestante des Hanovre, ennemi mortel des jacobites. Un jacobite protégé par ses ennemis? Quand on sait que la franc-maçonnerie réunit dans les loges des gens de religions différentes et des gens aux idées politiques différentes, cela est plus clair. Dans le monde profane, ils sont ennemis. Dans le monde des initiés, ils sont frères. Toujours Bernard Fay sur Ramsay, citation. Il était un catholique dont le cœur demeura toujours protestant et d'intelligence païenne. Information qui n'a pensé qu'au christianisme, un apôtre de la vérité qui a menti jusque sur son lit de mort. Fin de citation. Voici donc une description humoristique, brillante, curieuse de ce chevalier qui n'en était pas un. Son curriculum est tout aussi intéressant. Nous le trouvons en France en 1709. Lui qui était écossais, comme secrétaire personnel de Fénelon, l'archevêque de Cambrai et le pédagogue du Dauphin. Il a été aussi le secrétaire de Madame Guillon, qui était la grande amie de Fénelon, et qui l'entraîna dans l'hérésie mystique spiritualiste du quiétisme, une hérésie qui était née en réalité en Espagne avec Molinos et qui s'est diffusée en France sous une forme plus modérée avec Madame Guillon et Fénelon. C'est d'ailleurs ce dernier qui a converti, pour ainsi dire, son franc-maçon au catholicisme, et Ramsay fut le premier biographe de Fénelon. On peut dire qu'ils se rendaient mutuellement service. Avant de connaître Fénelon, ce chevalier de Ramsay s'était rendu en Hollande en 1706, lors de la guerre de succession d'Espagne, vraisemblablement en tant qu'espion du gouvernement anglais. C'est là qu'il rencontre un certain Pierre Poiret, un pseudo-mystique protestant influencé par les théologiens rhénans, par exemple Maître Eckhart, qui est l'un des saints patrons de tous ces ésotéristes chrétiens, mais aussi Jacob Boehme, qui est un autre faux mystique ésotériste luthérien. Et comme c'est souvent le cas dans ces situations d'une prétendue voyante Antoinette Bourignon. Ce Pierre Poiret connaissait également Elisabeth de Hereford. Qui était-elle? Elle était la nièce du roi d'Angleterre, Jacques Ier Stuart, et la fille de Frédéric du Palatinat et de Bohême, et d'Elisabeth Stuart. Ce couple royal, Frédéric de Palatinat, roi de Bohême, pendant une année, et Elisabeth Stuart, était un couple rosicrucien. Nous en reparlerons tout à l'heure. Elle était abbesse de Hereford et amie de Descartes et des Quakers. Tout ce petit monde était le monde que le chevalier de Ramsay fréquentait. En 1724, le chevalier de Ramsay rencontra à Rome le roi Jacques II, Stuart exilé. C'était le roi catholique d'Angleterre protégé par le roi Soleil, exilé à Rome. Mais qui, drôle de catholique, partout où il allait, il implantait des loges maçonniques. Mais des loges catholiques, s'il vous plaît. Voilà comment le chevalier de Ramsay devint le précepteur
de l'héritier au trône Charles-Édouard Stuart. Il implantait des loges maçonniques, mais des loges catholiques, s'il vous plaît. Voilà comment le chevalier de Ramsay devint le précepteur de l'héritier au trône Charles-Édouard Stuart. Enfin, Ramsay, tout catholique qu'il était, fut initié en 1730 à la loge The Horn, la même loge qui initia Montesquieu et Sade. Deux beaux personnages, n'est-ce pas? Ami d'Anderson, il était membre, tout comme lui, de la Royal Society, qui était l'association publique de la monarchie des Hanovres, alors que Ramsay se disait catholique et jacobite, et donc ennemi du gouvernement. Son célèbre discours à la loge de Saint-Jean, le 26 décembre 1736, institue ce qu'on appelle, dans le monde de la maçonnerie, l'écossisme. L'écossisme prétend que la franc-maçonnerie ne tire pas ses origines de maçons et d'architectes, mais va inventer sa propre mythologie, où les francs-maçons seraient des héritiers des chevaliers, et particulièrement des templiers. Nous devons aux chevaliers de Ramsay, qui diffusent la franc-maçonnerie en France, le mythe des chevaliers du Temple, qui doivent donc instaurer une république universelle et une encyclopédie de toutes les sciences et de tous les arts. Ça va être l'encyclopédie de d'Alembert, que l'on connaît si bien. Voilà donc ces drôles de personnages que nous trouvons à la naissance de la franc-maçonnerie moderne. Mais nous pouvons dire que la franc-maçonnerie existait avant la maçonnerie, au moins d'une certaine façon. Quand en 1717 est fondée la maçonnerie que nous connaissons aujourd'hui, 15 ans seulement se sont écoulés depuis la démission d'un précédent grand maître catholique, Christopher Wren. C'est l'architecte de la cathédrale Saint-Paul de Londres. Il était catholique et il était jacobite, c'est-à-dire qu'il était pour la monarchie des Stuarts, mais il était en même temps influencé par les Rose-Croix. Un autre soi-disant catholique, qui a été grand maître de la maçonnerie avant la fondation de la franc-maçonnerie, était Charles Lennox, duc de Richmond et fils illégitime du roi Charles II. Mais même Guillaume III d'Orange, de l'autre dynastie, était franc-maçon avant la lettre. Mais passons et voyons quelqu'un de bien plus intéressant. Un scientifique et homme politique entre en maçonnerie avant la fondation de la maçonnerie. Des gens qui n'ont jamais touché des briques et qui sont tout à fait ignorants du travail des véritables maçons qui bâtissent des maisons, des cathédrales et des églises. Il s'agit de Robert Murray, l'un des futurs fondateurs de la Royal Society, qui entre en maçonnerie en 1641. Elias Ashmole, mort en 1692, et qui entre en maçonnerie le 16 octobre 1646. Il était lui aussi monarchiste, partisan de la dynastie « catholique » entre guillemets des Stuart, comme l'architecte Christopher Wren. Mais il rencontra en loge son cousin, qui était un républicain acharné. Encore une fois, on trouve en loge, ensemble, ceux qui sont divisés dans la vie profane. Cet Elias Ashmole est un personnage très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il était cultiste de la magie, de la sorcellerie et de l'alchimie rosicrucienne. Il y a un livre que je conseille dans une certaine façon, « La lumière des Rose-Croix » de Francis Yates. C'est un auteur qui a de la sympathie pour l'ésotérisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est un auteur sérieux, dans le sens où elle a étudié à fond le phénomène des Rose-Croix, justement, et a décrit leur histoire de manière très détaillée et sérieuse. Elle parle également des liens entre les Rose-Croix et Elias Ashmole, vers lequel nous reviendrons. Il faut se rappeler quelle était la situation politique en Angleterre en ce temps-là.
il y avait des jacobites, dont les partisans de la dynastie Stuart, et des hanovriens partisans de la dynastie des Hanovres, celle qui gouverne encore aujourd'hui, qui se retrouvait en loge. D'ailleurs, cette famille Hanovre descendait des Stuart par la lignée féminine. Dans les loges, on retrouvait tous ces gens de différentes religions. On pratiquait le principe de l'égalité, qui est celui des corporations anciennes, de la tolérance entre catholiques, protestants et déistes, entre hanovriens et jacobites, de la liberté dans la discussion, de la fraternité, puisqu'on initie des personnes de toute religion, de tout parti politique, de tout rang social, même des non-chrétiens. Tout cela sous le couvert du secret initiatique. Quelles sont alors les origines de la maçonnerie? On a vu quel était le climat politique de cette période. Je peux vous donner une citation d'un autre auteur sympathisant de la maçonnerie, mais historien sérieux, qui s'appelle Frankovitch, italien malgré le nom. La voici, citation. C'est de ce contraste entre catholiques et protestants, entre Stuart et Orange, et avant, entre le roi et le parlement, que la libre maçonnerie, la franc-maçonnerie anglaise, va choisir le chemin de la tolérance religieuse, en offrant à tous, à tous les frères, indépendamment de leur confession de foi, la protection du secret et l'aide de la fraternité maçonnique. Dès lors que l'on rencontre, dans une loge, les frères oublient tout ce qui les divise dans le monde profane. Ils oublient les contrastes religieux. Ils reconnaissent dans le grand architecte de l'univers le véritable Dieu qui est supérieur à celui de toute religion révélée. Ce n'était certainement pas une découverte maçonnique, mais plutôt la réalisation des principes philosophiques professés dès la réforme protestante par des penseurs isolés comme Chatillon, et certains groupes minoritaires comme les Sociniens et les Rose-Croix. C'est la loge maçonnique qui, dans la vie sociale, offre pour la première fois l'exemple concret d'hommes de foi différentes unis par le lien de la fraternité dans la même discipline. Il faut souligner que les loges offraient aussi un point de réunion non seulement pour des pourparlers diplomatiques et des accords, mais aussi pour une action d'espionnage dont se servira abondamment le gouvernement anglais. Fin de citation. Ceci dit, des maçons du début, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, quelles étaient selon eux leurs origines? À quel mythe se rattachaient-ils? Anderson, dans les constitutions de 1723, nous donne une sorte de généalogie maçonnique. Elle commence par Adam, et puis, étrangement, nous ne trouvons pas Abel, mais Caïn. C'est singulier. Et puis on retrouve aussi Tubal-Caïn, un descendant de Caïn. Le nom de Tubal-Caïn est d'ailleurs l'un des mots de passe des premiers degrés de la maçonnerie. Comment se fait-il que Caïn et Tubal-Caïn, donc une tradition caïnique, se retrouvent en maçonnerie? On le comprend, non seulement parce qu'ils sont les pionniers du progrès scientifique matériel, mais aussi parce qu'il y a dans le gnosticisme le plus ancien une sorte de culte pour les personnages négatifs, on pourrait dire les personnages démoniaques de l'histoire religieuse, et dont les rôles sont inversés. Ceux qui sont mauvais sont bons, ceux qui sont bons sont mauvais. Il ne faut donc pas s'étonner de retrouver Caïn parmi les ancêtres de la maçonnerie, au dire de la maçonnerie elle-même. Nous avons, concernant l'origine de la maçonnerie, beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. On peut en énumérer 12 qui ne sont pas toutes vraies et qui ne se valent pas toutes, évidemment, mais toutes expriment quelque chose de l'idéologie des francs-maçons,
la religion primitive, les mystères païens, le temple de Salomon avec la légende d'Hiram, les Templiers, les anciens collèges des architectes romains, les corporations médiévales, les Rose-Croix, les républicains du XVIIe siècle en Angleterre, ou parfois, au contraire, les Stuarts catholiques, et puis nous avons nos déistes. On peut résumer les ascendances à trois sources. Évidemment, ce sont des sources symboliques qui ne sont pas à la maçonnerie. Il s'agit des corporations du Moyen-Âge, des Rose-Croix avec leurs traditions hermétiques et alchimiques, et puis la mythologie des chevaliers du Moyen-Âge, donc les Templiers. On remarquera tout d'abord qu'au moins deux de ces trois courants sont tout à fait catholiques. La chevalerie du Moyen-Âge, c'est la christianisation du métier des armes, et les corporations sont la christianisation du monde du travail. Il n'y a là rien de mauvais. Les francs-maçons, d'ailleurs, essayent d'exploiter ces institutions en disant, citation, « Les corporations du Moyen-Âge, c'était nous. C'était déjà des francs-maçons. Les cathédrales, c'est nous qui les avons bâties. » Fin de citation. Ce qui n'est pas vrai, ce sont des vantardises. Ou encore, citation, « La chevalerie Saint-Bernard, tout cela, c'est nous. » Fin de citation. C'est blasphématoire. C'est une offense faite à Saint-Bernard. Mais évidemment, aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, les ennemis de l'Église ont toujours essayé d'infiltrer ce qui est bon pour le faire dévier vers quelque chose de moins bon ou quelque chose de carrément mauvais. Les francs-maçons ont beaucoup repris du symbolisme extérieur des corporations anciennes. Par exemple, le compas, l'équerre, le fil à plomb, la lettre G, qui peut signifier géométrie, mais pas seulement. Le système des degrés et du secret, qui était un secret professionnel, les apprentis, les compagnons et le maître, qui était l'architecte, l'idée même de loge, étaient ces cabanes que les constructeurs faisaient à côté de leur chantier de travail, le mythe d'Hiram et du temple de Salomon, certains serments, certains secrets professionnels et bien d'autres choses. Peu à peu, dans cette maçonnerie qu'on appelle opérative, de véritables maçons, de véritables bâtisseurs qui étaient des catholiques, en Angleterre où le catholicisme avait été détruit, se sont infiltrés des éléments différents. Il faut dire toutefois que même parmi les bâtisseurs du Moyen-Âge, on peut reconnaître des signes d'infiltration mauvaise, comme Monseigneur Benigni, par exemple, nous dit en parlant de certains bâtisseurs, même du Moyen-Âge, citation, « Nous avons vu des francs-maçons qui étaient de véritables maçons, qui bâtissaient, qui étaient francs parce qu'ils avaient des libertés dissimulées dans les cathédrales, dans les églises, des figures satiriques contre la hiérarchie, les prêtres, les moines, les moniales. Nous voyons parfois avec étonnement qu'il y a des pasteurs spirituels avec des têtes de loup, des moniales représentées de manière impudique. Eh bien, tout cela n'est que l'écorce d'un tronc maudit. L'écorce ignorait peut-être tout du tronc. Mais l'influence de ce dernier n'en était pas moins réelle. » Fin de citation. Ce tronc pour Monseigneur Benigni, mais aussi pour René Guénon, qui est un franc-maçon, étaient les Juifs. Pourquoi les Juifs? René Guénon dit, il s'agit de son avis personnel qu'on peut qualifier d'étrange, mais qui m'a tout de même frappé, qu'il y avait autrefois trois catégories de personnes girovagues, les gitans, les juifs et les francs-maçons, anciens évidemment, et donc les bâtisseurs. C'est pourquoi il n'est pas impossible que les juifs aient commencé par instiller un certain
poison antichrétien qui, dit Monseigneur Benigni, a pu mettre dans la tête de ses bâtisseurs cette fable sémitique d'Iram, du peuple élu qui construit le temple de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, d'Iram tué par Salomon, symbole du pouvoir central, et de la veuve d'Iram, qui est la franc-maçonnerie, et qui sauva ses enfants en les dissimulant, et en passant de génération en génération le secret d'Iram. Peu à peu, ces véritables bâtisseurs catholiques, au fond, même si quelques-uns étaient mal influencés, commencèrent à accepter dans les loges des gens qui n'étaient pas des bâtisseurs. On les appelait les acceptés. Bientôt, ces gens-là, qui cherchaient chez les maçons un asile pour leurs idées évidemment occultistes, illuministes, comme les Rose-Croix, ont pris possession des anciennes corporations et les ont détournées de leurs objectifs originels. La tradition des Rose-Croix est la deuxième, et il faut bien comprendre ce qui s'est passé, et j'en avais déjà parlé dans ma conférence sur les guerres de religion. En 1614-1615 apparaissent les fameuses affiches des Rose-Croix qui annoncent au monde entier la naissance de cette secte. Eux aussi ont un mythe fondateur, non pas celui d'Iram et du cadavre assassiné qu'il faut venger, mais le mythe de Christian Rosenkreuz. Un autre tombeau, une autre mort. Les noces chimiques de Rosenkreuz, un autre personnage mythologique dont il faut perpétuer la tradition. Ces Rose-Croix n'étaient pas seulement des loufoques, des magiciens, des gens qui suivaient le nécromancien John Dee, qui, à la cour d'Élisabeth Ier, essayait de ressusciter les morts en utilisant des arts démoniaques. Mais il s'agissait aussi de personnes qui, d'une façon bien plus concrète, voulaient prendre le pouvoir. Ils avaient justement trouvé chez Frédéric du Palatinat et chez sa femme Elizabeth Stuart, la fille du roi anglais, la possibilité de prendre la tête du mouvement protestant, de conquérir le royaume de Bohême et, par là, de conquérir le Saint-Empire lui-même. Un projet qui a échoué à la bataille de la Montagne Blanche, où ils furent défaits. Toute la cour de ce roi de Bohême avec sa femme et ses magiciens s'est alors réfugiée en Hollande. C'est de là qu'ils auront une influence intellectuelle sur Descartes, sur Leibniz et d'autres personnages, qu'ils vont étendre leur influence sur la politique anglaise, qu'elle soit monarchiste ou républicaine, sur les premières loges maçonniques et sur la Royal Society, fondée en 1660. Quant aux Templiers, vous savez, il y a un grand débat concernant la question de leur culpabilité ou de leur innocence. Certains les défendent, comme par exemple Régine Pernoud ou le professeur Correa de Oliveira, et d'autres. Ils disent que Philippe le Bel n'était pas si recommandable. J'approuve. Et donc, qu'il faut lui imputer la condamnation des Templiers. Mais il faut rappeler également une chose. Quand Philippe le Bel s'opposa au pape Boniface VIII, de quel côté étaient les Templiers? Du côté de Philippe le Bel. Il faut donc plutôt penser comme Monseigneur Benigni. Dans son Histoire sociale de l'Église, il existe un chapitre intitulé « Les sectes du satanisme », dans lequel il décrit la corruption des Templiers en Terre Sainte, due à leur contact prolongé avec les Juifs et les musulmans, et qui sont revenus en Europe empreints d'occultisme. C'est pourquoi, même si les intentions de Philippe le Bel n'étaient peut-être pas toutes pures, et qu'il les condamna, pour un mauvais motif, il a néanmoins frappé juste. Alors, est-ce que les francs-maçons remontent vraiment aux Templiers? C'est difficile à penser, même si certains l'ont prétendu.
Est-ce que les francs-maçons les ont pris comme un modèle d'inspiration? C'est certain, comme nous l'avons vu avec le chevalier de Ramsay. Si aujourd'hui, vous trouvez des gens qui prétendent être des templiers, ce sont peut-être des loufoques, mais ce sont certainement des francs-maçons. Je n'ai pas le temps de tout dire, mais je terminerai par une synthèse. Derrière toutes ces doctrines occultistes, hermétistes, typiques des Rose-Croix et groupes du même genre, quelle est la doctrine qui les unifie? C'est la Kabbale juive, qui était cultivée par tous ces occultistes et qui n'est pas si différente d'ailleurs des doctrines païennes. Il y a donc une influence réciproque entre la Kabbale juive et les mystères païens, l'un et l'autre étant absolument semblables. C'est là qu'il faudra chercher le cœur de la doctrine maçonnique, comme nous le verrons dans la deuxième instruction.